Let's go to Michael's sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez une sorte de petite vidéo sur Michael's. Un prof à Michael's, c'est le mal ce magasin. Mais j'ai envie de vous emmener avec moi. Donc j'ai fait deux Michael's. Il y aura des vidéos qui seront dans le premier Michael's. Et là, donc direction le deuxième Michael's. Allez, let's go. Je vous retrouve dans la voiture pour vous expliquer un petit peu mais qu'est-ce que c'est Michael's ? Parce que peut-être parmi vous, vous ne connaissez pas du tout ce magasin. Vous vous demandez mais pourquoi ? Quel est l'intérêt de Karine d'aller dans ce magasin ? Alors, Michael's, c'est un magasin que vous trouvez aux États-Unis, en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas, donc aux États-Unis et au Canada. Peut-être certaines régions qui sont autour, hein, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un magasin qu'on trouve uniquement ici, en Amérique du Nord, et qui n'est pas trouvable en France, malheureusement. C'est un magasin qui propose tout ce qui est nécessaire pour les loisirs créatifs. Vous avez des rayons cricket, des rayons paillettes, des rayons... vous savez, cadre, encadrement, etc. Des rayons création pour les enfants, des rayons laine. C'est un peu un Zodio, hein, pour faire un équivalent. Vous avez de la décoration, vous avez des bougies. Et du coup, là, ils ont commencé à installer tout ce qui était décoration d'Halloween, décoration de l'automne. Et ils ont aussi un rayon rentrée des classes pour les profs, de la papeterie. Ils ont aussi des stylos, des crayons, voilà. Tout n'est pas donné, c'est comme à Zodio un petit peu, ou Cultura, vous voyez, il y a un peu de tout, et ça varie. Donc c'est vraiment un magasin assez coup de cœur pour moi. Quand j'étais scrappeuse, j'adorais y aller pour aller acheter des choses de scrap, des carnets, des appli planners et tout ça. Enfin bref, là j'en ai pas l'utilité, car j'ai encore beaucoup de choses à la maison, donc je vais pas apprendre de choses dans ce domaine-là. Mais je voulais voilà vous expliquer un petit peu le concept. Et souvent, les maîtresses au Canada ou aux États-Unis, quand elles font leur déco de classe et tout, elles trouvent plein de choses chez Michael's. Et elles vont aussi chez Dollarama, où vous pouvez trouver des trucs très sympas et du coup un peu moins chers. Mais il y a des trucs vraiment typiques des Américaines et des Canadiennes sur Instagram que vous retrouvez chez Michael's. Toutes les décorations de classe qui sont juste trop folles, très colorées, avec plein d'accessoires, enfin... C'est des choses qu'on trouve pas en France en tout cas, donc je vous emmène à Michael, comme ça vous allez avoir un petit aperçu, et puis on revient pour faire le bilan.
Bilan de cette virée. Écoutez, j'aime trop ce magasin. En plus, là, dans le deuxième Michaels que j'ai fait, il y avait des promos. Un acheté, un gratuit. Donc, j'ai cracouillé pour deux petites choses en décoration. Alors, de l'automne. Hein. J'ai pas pris pour ma classe, encore une fois, parce que j'ai déjà pris un truc pour ma classe que je vous montre juste là, qui est pour... Enfin, c'est pas pour ma classe, du coup, mais un truc d'école que j'ai pris pour ma copine Laetitia, pour sa classe qui fait le thème autour du monde. Je vous en avais parlé dans ma vidéo haul. Donc, je lui ai vraiment pris que ce beau cadre-là pour sa classe, pour sa déco. J'ai été raisonnable, sinon, parce que bah j'avais rien besoin spécialement pour moi. Et j'aurais voulu trouver des espèces de petits stickers. Je sais que c'était trouvable chez Michaels, des stickers, vous savez, pour encourager les enfants et tout ça, mais... Je suis pas tombée dessus, j'ai pas trouvé, donc je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis pris dans le rayon décoration d'Halloween, comme d'Halloween d'automne. Il y avait tellement des choses trop belles. Vraiment, si j'habitais ici, j'achèterais tout. Mais en acheter un gratuit, donc j'ai pris cette tasse-là. Et j'ai pas de tasse d'automne comme ça, assez simple, assez basique, qui était quand même à 13$. Et gratuitement, du coup, j'ai pris... cette petite pumpkin, cette petite citrouille blanche, encore une fois, qui était cette fois-ci à 10$, mais du coup, elle était totalement gratuite. Il y avait plein de choses, mais j'ai essayé de prendre des petites choses qui sont pas très grosses pour mettre dans ma valise et éviter que ça se casse ou quoi que ce soit. Mais voilà, après, il y avait vraiment plein de choses trop sympas pour les classes, encore une fois. Même si le rayon était quasi vide dans ce deuxième Michael, parce que bah, il y avait la promo en acheter un gratuit. Et du coup, je pense que beaucoup de choses sont parties. J'ai l'impression qu'ils essayaient déjà de se débarrasser des choses d'Halloween ou de l'automne, même de la rentrée des classes, alors qu'on est que là, début août. Hein. C'est fou, mais bon. Écoutez, en tout cas, je suis une grande fan de ce magasin. Je vous ai montré vraiment un tout petit bout. J'ai pas pu vous montrer plus et j'aurais aimé vous montrer plus. Si je retourne dans un Michaels entre-temps, j'essaierai de vous remettre des petites choses. Mais il y a des choses trop sympas. Et si vous avez l'occasion de venir aux États-Unis ou au Canada, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ce magasin. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un magasin qui vous donne envie. J'ai pas retrouvé l'équivalent en France avec des choses comme ça pour les profs. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs trop bien. Et j'ai eu pas mal de petits coups de cœur d'ailleurs dans ce magasin et je trouve ça trop top. Au niveau des coups de cœur, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'ai trouvé des petites boîtes comme ça pour mettre les photos. Vous pouvez utiliser pour mettre les activités en classe, c'est trop génial. J'ai trouvé ça trop bien pour mettre les photos. À la base, c'est pour faire voilà pour mettre vos photos, les trier par catégorie, sûrement pour les scrappeuses. Mais voilà, en classe, vous pouvez mettre des activités. C'est vraiment hyper bien ces petites boîtes. Il y a des desserts partout. Il y a même des desserts spécialement destinés à ceux qui ont la machine Cricut. Je trouve ça trop bien aussi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autres? Des stylos à gogo, mais ça, bon, on peut en trouver aussi en France. Je cherchais des stylos un petit peu particuliers. C'est des crayons de couleur en mode porte-mine, vous savez, en mode... mince, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Bref, des crayons de couleur en porte-mine. Et je sais que c'est sorti aux États-Unis, mais je crois que c'est pas encore sorti au Canada. Ça, je voulais en trouver, mais j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai vu de trop bien? Les décorations de classe sont vraiment canon, comme je vous ai dit. Au niveau des coups de cœur, c'est surtout cette boîte avec ces photos. Là, je me suis dit, c'était trop bien. J'aurais vraiment voulu en acheter parce que je trouve que c'est trop bien pour les activités. Surtout en tant que remplaçante, ça pourrait vraiment être utile. Mais bon, j'ai pas pris. J'essaierai de trouver l'équivalent en France. Mais beaucoup de choses vraiment trop sympas. Voilà pour cette vidéo du jour. Oui, filmée un peu dans le magasin, dans ma voiture. Maintenant que je suis arrivée à destination, bah, je vais pouvoir rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé ça intéressant ou ça vous aura montré un petit bout de ce genre de magasin ici. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos favoris? Les choses que vous aimeriez trop ramener de ce magasin? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je vous attends avec impatience. Vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce qui vous intéresse d'autre comme vidéo pour préparer la rentrée ensemble, ma rentrée de remplaçante. J'ai plein d'idées à vous faire, mais si vous avez des envies aussi particulières, bah dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, sur ce, je vous fais des gros bisous. Allez, salut !